À l'intervient, j'ai envie de vous poser la même question que je pose depuis ce matin aux auditeurs. C'était qui pour vous, Bebel C'était qui votre bébel Tu étais un ami de 50 ans, de plus de 50 ans, donc déjà ça crée des liens. Et puis de lui, de toute sa famille, j'ai vu naître ses enfants et tout. Et puis après, c'est celui qui m'a déclenché pour aller vers le cinéma quand, euh, tout jeune, adolescent ou à peu près un peu plus, euh, quand je vois euh, Cartouche ou L'homme de Rio c'est des films d'un seul coup, c'est le héros qui surgit dans votre vie, vous êtes obsédé, vous n'avez plus qu'une envie, faire du cinéma. Ce que je trouve merveilleux, c'est qu'à l'intervient, quand on vous écoute, vous, quand on écoute d'autres qui l'ont bien connu, on a l'impression que c'est le même Belmondo que nous, on a l'impression de connaître. Mais c'est le même, il était tellement, il imprimait avec un naturel, une présence, et toujours optimiste, toujours positif. Si vous aviez un moment de déprime, vous alliez prendre un café avec lui et vous étiez regonflé pendant que... 15 semaines, je veux dire, c'était le, le personnage qui vous donnait le plus la joie de vivre, le bonheur, la pêche. C'était un être inouï et attaché à son socle familial, ses parents, Paul Belmondo, euh, membre de l'Institut, grand sculpteur, son père, Madeleine Belmondo, sa mère. Jusqu'au bout, il a déjeuné avec sa maman tous les jours quand, à la fin, elle était malade et elle partait. Tous les jours, il allait la chercher et il déjeunait avec elle. Un homme fidèle, un homme reconnaissant, un homme euh, généreux. On a vraiment l'impression qu'il l'était avec nous tous dans ses films, qu'il était avec les uns et les autres et vous êtes nombreux à nous appeler depuis ce matin qu'il avait croisé, jamais il n'a refusé un sourire, une photo, jamais un il autographe. Il prenait le temps avec une bienveillance. C'était la bienveillance incarnée. Et euh, il l'était inter... aussi avec les autres acteurs, avec les plus jeunes, vous qui avez justement euh, traversé ouais. aussi toutes ces générations oui, oui, d'acteurs oui, 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 Et, et, et à l'hommage qu'on lui a rendu au César, ce qui était une forme d'exploit, parce qu'il avait dit longtemps je n'y mettrai pas les pieds, par fidélité à son père qui n'aimait pas les sculptures de César. C'est aussi bête que ça l'histoire. Ah, c'est aussi bête que ça justement, je me demandais de sa vie. C'est un moi, homme tenace, hein Il a connu bien son, 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 son papa, son papa, il était. Immense sculpteur, membre de l'Institut, et euh, il n'aimait pas les sculptures parce qu'il considérait que c'était pas un sculpteur académique. Donc il ne voulait pas le César, mais il a Donc quand même voulu l'hommage. Donc il le, il le ramasse en, en pour itinéraire d'un enfant gâté, et euh, après le premier vote euh, qui définit les lauréats euh, du final, il dit J'irai pas le chercher, c'est pas la peine de voter pour moi. Néanmoins, l'Académie vote en masse, il ramasse le César, il y va pas quand même, et euh, je dois avouer que j'étais très très heureux quand je suis arrivé à le convaincre et c'était pas gagné et c'était donc il y a trois ans pour faire un, un, un hommage où j'avais réuni autour de lui tous ses amis, tous ses anciens copains, les Claudia Cardinal, Claude Brasseur, tous ceux qui étaient là. Et on, on l'a vu ému alors que on n'a pas le sentiment que c'était tellement sur scène, émotif. Il y avait Jean du Jardin Jean Dujardin qui. Qui, qui s... incarnait la nouvelle, pas la nouvelle, qui incarnait la, la génération des, 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 des moins, moins que cadras. Et Jean Dujardin, moi j'ai un souvenir inouï, c'est quand on était à Los Angeles aux Oscars. C'est unique dans l'histoire du cinéma. Il y a un acteur français qui a ramassé l'Oscar, un acteur français masculin euh, du jardin. Il descend dans la salle des Oscars, il a l'Oscar à la main et on se, on, on se voit. Il me regarde, il me fait :« T'as pas le numéro de Belmondo Je lui dois ça. Sans lui, je l'aurais jamais eu. C'était absolument magnifique. Et un mois après, il a déjeuné avec Belmondo et il lui a redit toute son admiration. Il venait de relais. Quel est votre